Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit tuto de Minecraft avec Papy Corse. Il est 20h10 et nous sommes le samedi 23 janvier 2021. Et là, nous allons faire un petit tuto sur l'arc. Donc, on va faire l'arc. Hop. Donc, on va voir déjà si on peut le faire sur soi. Hop. On va taper arc. Non, on ne peut pas le faire sur soi. Donc, on va le faire dans l'établi. Donc on va taper arc et on va savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un arc. Il nous faut 3 bâtons et 3 ficelles. 3 bâtons, 3 ficelles. Allez, on va chercher ça. Ficelle, j'en ai. On va poser les plumes là. Hop, on va poser les flèches. Alors, j'ai de la ficelle et on avait dit des bâtons. Ah bah j'en ai sur moi, super. Super, j'ai les bâtons, j'ai la ficelle, et on va se faire un arc dans l'établi. Fabrication réalisable, l'arc, voilà. Donc on les construit directement en bois, les arcs, on les construit pas en fer, on les construit pas en métal, en or, on les construit pas en diamant, hein, voilà. Après on les booste avec la table enchantée ou autre, avec des livres, mais ça on vous expliquera comment booster un arbre. Un arc. Voilà. Donc ça y est, j'en ai fait un. Voilà, pas de problème. J'ai mon arc. Donc, pour tirer à l'arc, il nous faut le projectile, hein, bien sûr. Il nous faut des flèches. Là, c'est bon. J'ai un arc, j'ai des flèches. Je le mets dans ma barre de raccourci. Hop. Et on va pouvoir aller se taper des ennemis ou des animaux. On va voir, hein. On va voir ça. Je sors de chez moi. Je sors des villageois. Hop là. Voilà. Donc j'ai mon arc. Alors les flèches vont directement sur l'arc si vous l'avez dans l'inventaire. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Pas la peine d'aller dans l'inventaire, prendre les flèches et les mettre sur l'arc. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. D'accord? Vous avez l'arc, vous avez les flèches dans votre inventaire. Ça se fait automatiquement. Hein. D'accord? Vous tirez une flèche, ça vous fait une flèche en moins. J'en ai 30 si j'en tire une, par exemple, là, tout de suite. Hop, il m'en reste 29, hein, d'accord? Tout simplement. Alors, on va tirer des poules, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, hein, il n'y a pas autre chose. Alors, pour l'arc, il faut rester appuyé pour tendre l'arc. Si je tire comme ça un petit coup, hop, voilà. Vous voyez la flèche? Voilà, tac, hein? Il faut faire plus près, là. Hein. Après, si... Je reste appuyé, ça va tendre. Regardez ma barre de raccourci, mon arc est bien tendu. Donc si je vise la poule directement là, elle est loin, ça, normalement ça ne va pas l'atteindre, ça va tirer avant. Voilà. Hop, je le fais, voilà, ça tire avant. Ça ne tire pas avant, mais la flèche tombe avant. Bon, regardez mon arc, je reste appuyé, regardez ma barre de raccourci. Je reste appuyé, ça tend. Voilà, ça a bien tendu. Et on va évaluer un petit peu la distance. Je vais tirer un petit peu plus haut pour que la flèche puisse retomber sur la poule. Voilà, bingo. OK? Donc, c'est à vous de juger la distance. Là, je vais essayer. Hop. Non, pas assez haut. Je vais un peu plus haut. Je tends bien l'arc. Bingo. Là. C'est à vous de juger. Après, ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Donc là, elle est un petit peu plus près. Je vais la mettre moins haut, l'arc. Voilà. Bingo. Voilà. OK? Donc, c'est pas mal. L'arc pour tirer à distance, c'est génial parce que vous avez un ennemi qui vient sur vous. Vous l'attendez. Vous pouvez lui tirer 2-3 flèches avant qu'il vous atteigne, vous, hein, parce que ça marche tout doucement, les ennemis. Hein. Donc, c'est pas mal. Franchement, l'arc, c'est bien pour les ennemis à distance. Pour les poules aussi, vous hein, voyez, hein, j'ai eu des poules. Mais après, ça va venir, vous allez calculer la distance et puis vous allez viser plus haut, de plus en plus haut s'il est de plus en plus loin. Hein. Voilà. Vous allez faire qu'un avec votre arc. Mais l'arc, c'est une des armes que je préfère. Hein. Voilà. L'arc, c'est vraiment... Je préfère l'arc à l'arbalète en plus. Voilà, donc c'était un petit tuto sur l'arc, et puis une fois qu'on a l'arc en bois, et ben après on va les booster, on va booster les arcs, mais ça sera un autre tuto. Voilà. Donc je vous remercie de votre visu, hein, de mon petit tuto, hein, j'espère que ça va vous aider, c'est pas mal, l'arc il est vraiment, il est pas mal.
Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.